Alors, et nous capables de remonter à l'histoire, pays, c'est que c'est pour la première fois nous connaissons ça. Nous avons remonté dans le ministère, tant doute, nous toujours passé. Mais la situation était même genre. Et je pense même qu'on a un programme qui est pas d'un côté qui permet qu'il y ait un peu de haïtien au programme humanitaire. Mais c'est, regarder effectivement, est-ce que ça peut être résultat? Au contraire, c'est plus misère, plus problème. Pendant ce temps, vous êtes capable de créer moyen, vous avez investi. Et dans une zone, vous êtes capable de sécurité, vous êtes capable d'avancer. Et si c'est vraiment vrai, et mission venue là avec Kenyan, nous voyons que c'est bien plus de zones qui perdent, au lieu que vous avez amélioré. Nous, qui peut-être ici, c'est un bastion pour pays, c'est bien capable de monter la période coloniale. Côté que nous dit que la France était un grand empire, ça s'appelle un grand empire, c'est parce qu'il possède la colonie la plus riche, c'est la colonie de Saint-Domingue. Alors, c'est ça lié, c'est toujours un grenier pour l'international, là. Nous, que pas qu'aucun bagage nous a espéré davantage. Et c'est que solution, d'abord, pas une question mettant nationale avec les Haïtiens. Parce qu'on pas qu'être pays qui fait fortune, c'est par rapport avec les faiblesses des petits pays. Parce que ça fait même une question marketing, on va commencer des produits offerts. Que ça veut dire un produit de ciblant visé, un produit de masse. Et ça fait que des bagages, vous faites la capacité d'utiliser pendant ce temps où ils ben nous, et pour que nous capables d'utiliser eux. Et d'ailleurs, un rapport de fort avec faible, je considère comme qui ça qui est faible, ou mieux fort, puis capable d'imposer dominance sur la question impérialiste, la colonialiste là. C'est-à-dire, la colonisation, par exemple, comme expression d'autres formes. Et ça fait le plus facile pour nous combattre ça, ou l'esclavage physique, mais l'esclavage mental là, il demande un effort collectif pour nous capables de faire, pour nous capables de résoudre ça. Et je veux dire, ça qu'il y a un intérêt d'abord. Ou tout capable de dans sa niya pour ne pas avancer parce que c'est là où il y a tout intérêt. Et malheureusement, il y a des dirigeants qui voulaient, il y a des gens qui voulaient, qui a fait travail, mais nous avons besoin, et la question maintenant de la question de la souveraineté nationale, qui sont d'abord des Haïtiens, le chevronisme haïtien, et pour être capable d'aider, vous venez d'avoir l'autre société, et côté que plus ou moins, nous capable de résoudre problème, ça, c'est un problème fondamental, un problème crucial. L'imande une prise de conscience collective, côté fort chaque Haïtien, senti problème, c'est ça qu'on a dit tout à Mabdil. Nous avons que des mouvances politiques, non pas des partis politiques. Parti politique aussi, été structuré, été organisé, on pense que c'est la meilleure façon pour que tu aies un projet, et projet, ça, pour que tu avances ensemble avec eux. Et je pense que tout ça qu'on a gardé, nous, que c'est enfoncé après enfoncé que loi, avec moins pour nous sortir là-dedans. Et je pense que Haïti a une possibilité de faire ça. C'est lorsque nous sommes d'accord pour mettre tête ensemble pour dire oui, nous sommes d'accord, oui, nous pouvons même, Jean Obama te dit ça, et l'État président de l'USICAN. Je pense à nous besoin de slogan comme ça pour tout Haïtien d'accord. Dit bon, et Jean Balaïa, pas grand l'autre moyen pour nous sortir, peut-être pour nous mettre ensemble, pour que nous soyons capables de bailler international. Même bien ça fait, je veux dire, là, au Burkina Faso, un pays africain va faire, je pense qu'il faut nous créer au moins pour nous divorcer avec eux. Si nous divorçons avec eux, je pense que nous capables de répatrier la souveraineté nationale. Nous, il y a ça, des problèmes fondamentaux, nous capables de résoudre. Si nous prenons, je veux dire, la question de grande civilisation, Haïti pas produit, Haïti pas produit d'âme. Parce que les armes sorties maintenant à l'international, Haïti gagne ça ou les, et yon restriction, yon embargo, mais tu ne vas pas acheter des armes. Et pourtant, chaque des armes de tous côtés, je pense que si vous avez voulu résoudre le phénomène, ça, vous avez c'est un péché, vous avez bloqué qui sont et cargaison des armes dans la frontière, pour que nous capables avancer. Mais malheureusement, il n'y a pas fait, parce qu'au contraire, ça, les contribuer dans l'économie, les contribuer dans l'économie, parce que des fois, nous connaissons, en Haïti, nous capables de dire, pas nous libertinage, parce que dans la liberté, c'est normal pour nous encourager, pour encourager l'autre, pour gagner concurrence. Nous capables d'avancer. Malheureusement, et ça n'a pas fait comme ça, ils ont préféré qu'ils veulent comme ça, pour que soient capables maintenant, toujours qu'ils nous dans ça, nous, y a, pour ne pas jamais avancer. Parce que ça fait Nelson Mandela dire, il dit, l'éducation est l'arme la plus puissante que nous pouvons utiliser pour changer le monde. Je pense que qu'il faut réviser maintenant la question de l'éducation. Ça fait un dégon système, je dis à côté de nouveau secondaire. Vous dans nous, qui fait les pays à plus tard, parce qu'il y a l'école à plusieurs vitesses. Je pense que le système d'éducation, nous faut penser, le système économique, nous faut penser, le système de sécurité, nous faut penser, nous. Nous pas qu'à gomper, même directeur police nationale, là, parfois, pour que des fois, la retraite, c'est les meilleurs bancs, nous. Je pense qu'il faut que, dans la question d'ingérence, il faut que nous répatrions d'abord, comme dit déjà, souveraineté, nous, pour que nous capables de l'autre pays. Et pour que nous ayons ces problèmes fondamentaux capables de résoudre. Nous connaissons très bien un pays pas qu'à fonctionner en vase clos. A dit, nous besoin de développer des rapports, mais c'est pas des rapports esclaves et maîtres. Nous besoin de rapports des bons partenaires, nous rapports gagnant-gagnant, perdant-perdant. Mais nous pas besoin de côté bon gagnant, bon perdant. Nous besoin aussi vrai, mais nous besoin dans des rapports qui bien définis, côté que, nous pas là sans vous exploiter nous. Nous là, nous capables de mettre d'abord ça comme potentiel là, car nous capables permettre que vous capable de gagner, tout, vous même tout ça, vous êtes capable de partager ça, un rapport gagnant-gagnant, ou bien perdant-perdant, mais ça m'a perdu, ou même tout, mais ça m'a perdu, mais ça m'a gagné, mais ça m'a gagné. Si nous prenons aujourd'hui là, si nous avons développé ça, ou l'industrie maintenant touristique, Haïti gagne en pile plage, la Kaili, par exemple, si nous prenons la Badi, nous prenons Somatchi, nous prenons pas quelques côtés dans le pays, on pense que
Si nous avons l'économie touristique, là, je pense qu'il y a une possibilité pour Haïti capable d'avancer. Et nous prenons par exemple Haïti qui a un paquet de potentiel, tout côté que nous connaissons Haïti qu'on exporte par exemple mango, chaque année qui te près de 15 millions de dollars. Il y a côté zone ça où bandits vont pas là-dedans, et puis tout gagne environ près de 1 500 personnes qui ont été attraqués en chômage. Je pense que si Haïti maintenant capable, une possibilité, capable d'abord nous dire que l'insécurité, nous dit sécurité assez plus gros bien public capable bien. Si il y a sécurité, je pense qu'il y a une connexion et par rapport avec une série de zones qu'on est connectées. Je pense que ça capable puis la possibilité pour nous capable avancer, pour que nous capable effectuer. Parce que d'abord, et lorsque on peut pas cabaye tête li manger, qu'on sait problème pas fondamental pas résoudre. Et bien, c'est ça qu'on va apporter. Des fois, il y a des problèmes pour la minorité, il pas de solution, et même espérer que, qu'on pas qu'était, la cabaye la canon, si on arrive à développer, on permet qu'il y ait sécurité d'abord, permettre qu'il nous capable de gagner une police nationale, côté que c'est Haïti, Haïti même qui fait, et l'armée a également. Je pense que c'est des mono, c'est des mécanismes, si nous mettons en place, qui me certain que, effectivement, nous sommes capables de dire oui, nous pouvons nous divorcer. Parce que des fois, nous connaissons le divorce à le compte bon, mais le divorce à tout, si nous faisons mal tout, et qu'on crée une situation catastrophique, et des fois, nous regrettons. Je pense qu'il faut prendre le temps pour nous chita, pour nous analyser. Et me félicite d'abord, mais ce n'est pas pour autant d'autres, et surtout qu'à promouvoir, et j'en ai débat, ça, les discussions, ça, pour que nous soyons capables de bon pays, et je vous dis à la, pour être capable de fiel, pas besoin, nous sommes capables de partir, mais pour nous capables de faire un mélange, on met une pote. En question et qu'il suit, question formation, mais c'est pas seulement chercher manger, et la carrière nous présente un potentiel, ça, capable de nous avancer en termes de mécanisme que nous besoin d'avancer. Ça qui est fondamental, la question, des fois, ils nous toujours mis pointé du doigt sur l'international, mais pas, ouais, ou d'abord. Et ça fait, Jean Adam Smith dit, et là, on livre qu'il écrit, il parle de la main invisible, il dit, tout intérêt général, un intérêt caché. Si vous êtes international, c'est nous-mêmes utiliser des pseudo-patriotes, des faux patriotes, pour qu'ils capable de bâtir projet. Mais je pense que si nous avons des Haïtiens conséquents, des Haïtiens qui ont un pays, même si nous avons regardé dans les années 1950, côté pour les jeunes Magloire, nous avons comment tout a salué, en fierté. Et côté nous avons regardé, nous avons des chefs d'État, des premiers ministres, des fois, qui ont acheté avec n'importe quel ambassadeur, côté qui n'ont pas même parlé de même rarel. Je pense que nous avons besoin des hommes, des femmes solides, capables de dire, moi-même Haïti, Haïti, pays, moi-même, je suis capable de dire, c'est vive Haïti. Et bon, l'autre demain, pour que petit soit capable de sentir mon pays qu'on avance.